Caïras est venue une destination touristique dans les années 60. D'estiu per la montagne, du vert per la neu. Ses popas manqua sans vrant, la plus naute commune où te se mange le pain de Dieu, plus naute commune d'Europe à mail de 12 000 mètres. Retour sur une estiu, ciao, en température, comme en fréquentation. C'est le périphérique qui faisait le tour de San Vrant. Il y a eu des mondes de jour, juste se croisaient. La tourne augmenta depuis un peu l'an passé, qui stand surtout, mais il y a eu 7-8 ans, un peu moins, 10 ans, là, il y a bien baissé, il y a eu 200, 300 voitures près de jour. Et qui stand, il y a des jours, il y a eu 600, 700. Ben, si on nous promenait avec l'ami de Corse, voilà. Et d'où t'es venu? Nous, de Vitrolles, bas du département. Eh oui, ben, nous prenons 2 heures, 3 heures, 100, 150 km de Briançon, de Gap, de Barceloneta, venons visiter. J'aime bien l'air, j'aime bien la hauteur, j'aime bien les paysages, parce qu'on a quand même des super beaux paysages. Et voilà, j'aime bien tout ce qui est sauvage comme ça, voilà. 40 ans d'été, Joseph Brunet et sa femme ont accueilli des touristes dans sa pension. La plus belle vue sur la vallée est un cas à quelle de sa terrasse. En vis change le pays comme les visiteurs. Quand l'ouverture est terminée, les chamous disent nous dans l'intérieur qui l'herbe fraîche attire les chamous parce qu'il y a encore des nids et la mue. Et d'ici nous mangeons ici. Je trouve que le fait d'y avoir beaucoup de touristes, allez, ça rend le village plus gai comme ça. Je trouve ça plus chouette. Le village, je trouve très très joli. Je reviendrai certainement skier. Pourtant, quand on habite en Corse, on doit être difficile, non? Tout est toujours différent. Et on ne peut pas comparer. On a du beau, on voit d'autres beaux. Quoi. C'est formidable. On va manger pas tout juste parce qu'il y a bien qui font le tour de San Vrant et San Vrant. Mais il y a bien qui vont manger. La montagne est pleine de monde. Des milliers de touristes viennent au Enqueiras Chascan. Faut dire qu'il y a 12 saisons, la rando d'estiu et les skis du vert. Les trois ont une nature bien servaille et une belle authenticité. Et la vie du village, tout le monde vit du tourisme. Il reste 13 paysans. Après, le village, des mondes qui vivent tout l'âme, il y a des maisons.